Il est 8h40 du matin. On va déployer le kayak, le paddle, et direction les îles Médès en face. On doit avoir une magnifique vie sous-marine. Première fois qu'on va déployer le Nautica, le kayak gonflable. Ce sera une bonne occasion de tester. Deuxième siège, le fond et la structure en elle-même. Il est en position gonflage. Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Bien, parfait. Evelyne, ça vient pas pour toi? Fatigué. Et là, donc on a monté la Comarina, le Spin 412. Il est bien gonflé, les pannes sont en position, le masque de sorting également, ici pour bloquer les jambes. On va mettre les affaires qui mouillent dans le sac étanche et on va aller là-bas. Allez, c'est parti, la caméra elle va rentrer dans la boîte étanche. Sur le bateau. Et ben parce qu'il y a un autre type de nourriture, mais comme ce sont de très très bons nageurs et que là on est dans une réserve maritime, il y a énormément de poissons.
Thank you.
Thank you.
Sur l'île, qu'est-ce que c'était? Bien. Alors en fait, elle a, comme vous allez voir sur la vidéo, elle a nagé. Et en fait, elle a pas coulé, c'est génial. Voilà, bon, t'en as pas trop chié. Hein. J'avais un gilet. Ouais, c'est pratique. Bon, c'était beau quand même. Hein. C'est magnifique. Et j'espère que les images du Mérou vont être magnifiques également, parce que là, on a eu plein les yeux. Bon, le bateau, on va laisser sécher. Moi, j'ai ma blessure de guerre. Au poste de secours, ils m'ont mis de la bétadine. J'ai crié comme une fillette. J'ai le doigt qui est blanc comme dans le retour des morts vivants quoi. Voilà, maintenant on va sécher. Bref, alors du coup l'aquamarine, bah, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un très bon bateau, génial, vraiment top. Maintenant on va le laisser sécher puis on va tout replier. Bilan de la journée, super.